Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire et cette semaine, on se demande, peut-on vraiment croire à la promesse de renouveau après une épreuve? On voit tout ça après l'intro. Je ne sais pas si vous en souvenez, au début de la pandémie, en mars dernier, les gens dessinaient des arcs-en-ciel sur les fenêtres de leur maison. Nos dirigeants se voulaient rassurants en disant « ça va bien aller, on est capable, c'est juste un mauvais moment passé ». Je ne sais pas s'ils ou elles étaient naïfs ou si leur discours visait uniquement à maintenir le moral de la population, mais 9 mois plus tard, presque jour pour jour, c'est rendu difficile d'affirmer la même chose. Au Canada, on a dépassé le nombre de 13 000 décès reliés à la COVID-19. Notre système de santé est complètement débordé. Beaucoup de personnes ressentent de l'anxiété, de la fatigue, de la déprime. Bref, ça ne va pas bien du tout. Mais malgré tout, plusieurs ont l'impression qu'ils ou elles n'ont pas le droit de se plaindre. On se fait constamment répéter que d'autres personnes sont dans des pires situations que nous. On devrait simplement changer de sujet puis passer à autre chose. Dans le passage de ce soir, tiré du livre d'Ésaïe, les Israélites font également face à une situation très difficile. Et petite parenthèse ici, dans l'Évangile selon Luc, Jésus lit ce même texte à la synagogue à Nazareth au début de son ministère public. De retour à Ésaïe. Donc, après un long exil à Babylone, le prophète appelle les Israélites à revenir en terre promise. Il est temps pour le peuple de Dieu de renouer avec Jérusalem et la grandeur des générations précédentes. Mais malheureusement, les Israélites découvrent une situation désolante à leur arrivée. La grande cité de David et Salomon n'est plus l'ombre de ce qu'elle était. La ville est en ruine. Les infrastructures économiques et sociales sont pratiquement inexistantes. La tâche pour redonner à Jérusalem sa splendeur d'antan est colossale, voire impossible. Et dans ce genre de situation, la solution la plus facile pour les dirigeants est habituellement de nier le problème afin de ne pas décourager les personnes. « Ne vous inquiétez pas. Les abus sont commis par des étrangers. Et quand on aura réussi à se débarrasser d'eux, vous allez voir, la justice va revenir. » Bon, les infrastructures sont déficientes et insuffisantes, mais on ne peut pas dépenser plus que la capacité de payer des gens. Quant aux pauvres, aux indigents, leur situation est seulement le résultat de mauvaises décisions. Avec un peu d'éducation, ces personnes vont finir de sortir de la misère. Tout va bien. On connaît ces explications par cœur, parce que depuis des siècles et des siècles, nos dirigeants nous les répètent. Répète les mêmes formules creuses qui nient la gravité de la situation. Et le résultat est que aucun changement réel ne survient et la situation se perpétue encore et encore et encore. On sait que Dieu n'a pas l'habitude de transformer notre monde d'un coup de baguette magique ou en claquant des doigts. Non, le Seigneur opère d'une manière un peu plus subtile. Depuis le début des temps, Dieu outille des êtres humains afin qu'ils ou elles puissent apporter un peu plus de justice, un peu plus d'équité, de réconfort dans notre monde. Et ce grand principe est au cœur du message proclamé par le prophète Élie dans le texte d'aujourd'hui. « Une personne viendra, dit-il, et son mandat sera de transformer
une atmosphère de crise en renouvellement de la création sur de nouvelles bases. Cet envoyé du Seigneur tiendra un discours qui peut paraître contre-productif pour certains experts des relations publiques de nos jours. Il nommera les problèmes des gens. Il dressera un lourd bilan de la société. Il dira qu'il y a trop de monde qui sont pauvres et désespérés. Les prisonniers, les déportés subissent des abus. Beaucoup de personnes font face à leur deuil et leur tristesse sans aucun réconfort. Et c'est justement pour ces raisons qu'il est impératif d'agir. Nous devons trouver le moyen d'annoncer une bonne nouvelle aux marginalisés et aux opprimés. Notre mission est de prendre soin des désespérés. Nous sommes appelés à proclamer la liberté aux déportés et de libérer de leurs chaînes les prisonniers. Notre travail est de relever les anciennes ruines et rebâtir les maisons abattues. Nous sommes invités à remplacer la tristesse par la joie et à redonner l'espoir au peuple. Nous sommes appelés à croire qu'un nouveau monde est possible. Et l'envoyé du Seigneur ira encore plus loin. Il proclamera l'année où le Seigneur montra sa faveur à son peuple. Et avec ces mots, le prophète fait un clin d'œil au grand principe du jubilé qu'on peut trouver dans le livre du Lévitique, dans le Premier Testament. Le jubilé qui était appelé à avoir lieu à tous les 50 ans. À tous les 50 ans, les dettes devaient être annulées. Les propriétés et les champs hypothéqués devaient être retournés aux propriétaires originaux. Et les esclaves devaient être libérés. Mais au lieu d'un événement spécial, survenant une fois par génération, l'envoyé du Seigneur invite le peuple de Dieu à bâtir une société dans laquelle la justice, le pardon, le partage et l'équité seront des réalités quotidiennes. Oui, je ne suis pas naïf. Je suis conscient que dans ces temps de pandémie, de négativité généralisée, convaincre des gens autour de nous de changer est difficile, oui. Cependant, comme les Israélites au retour de l'exil, nous sommes tous et toutes appelés à voir ce qui se passe sous nos yeux, à confronter la réalité et à profiter de ce moment qui s'offre à nous pour transformer notre monde. À quelques jours d'un Noël un peu différent cette année, oui, nous avons l'occasion, je pourrais dire l'occasion parfaite pour guérir les cœurs brisés, de libérer les captifs, de réconforter les endeuillés. Alors travaillons donc ensemble pour que toutes et tous puissent enfin dire avec toute franchise et honnêteté, ça va bien aller. Encore une fois, merci d'être là. Merci d'écouter. Si vous écoutez sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Si vous écoutez sur notre chaîne, notre page Facebook, aimez, partagez. Merci d'être là. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.